Chloé. Je vois que tu n'as pas effacé mon numéro. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai enfin trouvé l'entrée du jeu de Paranoia. On y est, Ilan. Tu sais bien que j'ai décroché. J'ai trouvé un petit job là depuis 6 mois. Je suis peinard. Un job ? T'es enfin devenu créateur de jeux vidéo ou scénariste ? Mon scénario, c'est de remplir le réservoir de bagnole à une station-service. Et ta nouvelle nana ? Sympa ? J'ai pas de nouvelle nana, comme tu dis. Je vis juste avec de vieux fantômes. Et la grosse Audi noire qui vient de partir, un fantôme elle aussi? T'as visé haut cette fois? Elle bosse dans quelle branche? Une Audi noire? Qui venait d'ici? Lugubre. Il caille en plus. T'es sûr d'habiter ici? Bouge pas. Faut que je vérifie quelque chose. C'est bon, t'es toujours là. T'as toujours pas saisi sens de la carte de ton père ? Non. Mais je suis persuadée qu'on les a tués pour leur recherche. Je sais. T'as toujours tes petites obsessions, à ce que je vois. Tu peux parler ? Paranoïa est toujours dans ta vie, non ? Plus que jamais. Allez, amène-toi, je t'explique. 300 000 euros, ça te branche toujours ? Chloé et moi, on a rompu après la mort de mes parents. C'est elle qui est partie. Depuis, je me suis fait la promesse d'arrêter les jeux et les chasses au trésor. Ça m'a bouffé, détruit. Avec Chloé, à l'époque, on a passé 6 mois de notre vie à essayer d'entrer dans le jeu Paranoïa. Moi, j'ai lâché. Mais elle, apparemment, elle a continué. C'est une vraie légende urbaine, ce jeu. On sait pas s'il existe vraiment, ni pourquoi il existe. Paranoïa nous promet la frayeur de notre vie. Avec 300 000 euros pour le vainqueur. Bonsoir monsieur, bienvenue sur la péniche ce soir. Bonne soirée. D'après Chloé, Paranoïa est en France, et l'entrée se trouverait quelque part sur cette péniche. La fin de la dernière énigme qu'a déniché Chloé dit « Cherche l'obèse, il vaudra sûrement le jour J les 7 dixièmes de la fortune. Dans le contenu du contenant, passe par la petite entrée. » Toujours aussi brillante. T'as remarqué ? Et là, j'ai vérifié sur internet, ce terme n'existe pas, on est bien aux portes du jeu. On a l'obèse, la fortune et le signe noir. Reste plus qu'à trouver la petite entrée dans le contenu du contenant. On est dans le contenant, cette péniche. Regarde, on dirait Naomi Fay. C'est bien cette petite garce. Bon, ça prouve qu'on est sur la bonne voie. Je te propose qu'on se sépare. On cherche la petite entrée, dès qu'on l'a trouvée, on s'appelle. La conne ! Elle pourrait s'excuser au moins ! Tu la connais, on dirait ? Non, jamais vu. Bon, je vais commencer mes recherches aux toilettes. T'es chez les hommes ici, Naomi. Bon, on va pas passer par 4 chemins. T'as trouvé l'entrée du jeu ? Ça se pourrait, oui. Tu bluffes. T'as que da...
Bien joué, enfoiré. Bien joué, dédicé. Allez, passe le bonjour à tes parents. Qu'est-ce qui te fait déguerpir comme ça, toi? Je l'ai, ta petite entrée, Ilan. C'est cette annonce. Cherche cobaye pour test psychologique. Rendez-vous le 16 juin au laboratoire Caron. Caron, c'est le nocher qui fait traverser le fleuve des enfers. Ça colle bien au style de paranoïa. Et le 16, c'est demain. Notez bien votre adresse, vous recevrez votre chèque d'ici une semaine. 300 000 euros, c'est ça? Et merci de votre participation. Je prends le relais. Bonjour. Bonjour. Venez, c'est par là. Alors, ça y est, on est dans le jeu? Un jeu? Vous avez vu l'annonce? C'est tout sauf un jeu. C'est une étude sérieuse financée par le gouvernement. Vous entrez. Vous suivez les instructions. Vous avez 3 heures. Ils sont bizarres, leurs tests. Il faut d'abord répondre à des questions pour le moins étranges. Il y en a des tonnes. Ça m'a pris des plombes. Vous. Suivez-moi. Quand est-ce que le jeu commence vraiment? Il y aura combien de candidats? Merci de votre participation. Je vous raccompagne. Non mais c'est mes tests! Non mais c'est quoi ce délire? Et maintenant? Vous allez me recontacter? Encore lui, le jeu, mes parents, Chloé. Tout me ramène encore et toujours à cet homme. Il est temps de creuser plus loin que ça. Je ferais mieux d'appeler Chloé. Raccrochez ça. Il était temps. Vous êtes les 2 derniers candidats. D'autres vont arriver sûrement, mais il sera trop tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous pouviez baisser cette arme, nous devons y aller maintenant. La voiture est prête. Vous êtes rentré chez moi. Vous avez volé ma carte. Une carte? Quelle carte? Non. Non, nous n'entrons pas chez les gens. Notre jeu a des limites. La voiture nous attend. Si vous ne vous décidez pas, quelqu'un d'autre prendra votre place. Paranoïa. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ?